qui a rien été minable, qui a rien. Ah, il n'a rien. Ah, comme partout. Non, il y a avant que le bourg ait été refait, et ben, c'était, il y avait des baraques. Il y avait des baraques au milieu de la place, c'était plein de baraques. C'était des wagonnets qu'il y avait pour amener sur rail, pour amener le remblai. Des blés, oui. Des blés, oui. Des blés, oui. Il y avait un petit train qui passait à Carignan. Ah oui, il y a eu le CM qui a passé ici. Le petit train. C'est arrêté en 34. Mais ça a repris pendant la guerre. Les Allemands l'ont mis en circulation pour envoyer le sang de Puinet pour faire les blocos et tout. Ah oui. Ils ont envoyé ça à Edmond, ils étaient chargés dans les wagons Edmond pour aller faire la bosse marine. Mais avant la guerre, ils servaient à transporter des gens ou transporter du matériel? Principalement des gens, des marchandises forcément, mais principalement des gens. Il partait d'Edmond, il partait à Carmignac, il est revenu, et puis il suivait la route de Port-Louis. Ah, il n'allait pas à Edmond alors. Il suivait le Blavet. Oui. Ça, je me rappelle. Et puis il allait prendre le pont de chemin de fer pour aller à la gare d'Edmond. À la gare d'Edmond. Il prenait le pont de chemin de fer. Celui de Christ. Après la guerre, on l'a pas remis, c'était fini. Ah non, après la guerre, ça a pété. Les cars, alors, il y avait les cars. Le maire de Carmignac, Boucher de Beaubert, ouais. Un coup il venait, il avait une voiture, lui, forcément. Un coup il venait avec sa voiture, il regardait pas la route, mais il regardait pas trop sa route, donc il pont. Et vous l'a fait accrocher par le. Comment vous l'appelez les gens? Le train? Oui, mais il avait un nom. Le minibus, non? Non. Oui, enfin. Ouais. Alors. Il était parti en procès contre le. Il avait critiqué le chemin de fer. Il avait dit qu'il écrasait davantage le monde qu'il en transportait. Il l'a emporté au tribunal et il a été. Il a gagné? Il a perdu. Avoir calomnié le petit train, il écrasait davantage de monde qu'il en transportait. Après, alors vous circuliez comme en bus? Il y avait des bus pour aller. Pas de bus, c'était les charabancs. Les charabancs, quoi, c'est les chevaux attachés aux charabancs. Pas la charrette, quoi, la voiture. Légère, quoi. Si vous voulez aller à Plouinec, vous n'y alliez jamais. Ah, bah non. Ah, bah tout. Si vous voulez aller à Plouinec, vous allez à pied. Nous, quand on allait. On se recevait en famille. Oui. Ah, quand on était en voiture, on allait avec le cheval, la charrette. Et le charabon. Oui, à quel moment là? Ah bah ça c'était... Juste après la guerre. Il a été mis en circulation en 1904. Mon père a travaillé. Ah, mais pas après la guerre, non, c'était pas avant la guerre. Ouais. Parce qu'après la guerre, il y a eu du pont. Bah oui, il était là, la barrière était toujours fermée, quand quelqu'un arrivait, il l'ouvrait, et il payait un sou ou deux sous, mais un peu plus tôt. Oui, mais quand on revenait le soir, il fermait, il fallait aller sonner sa porte pour qu'il vienne ouvrir. Il y avait une petite barrière pour un passager, mais pas pour la charrette. Ah oui, pour la charrette. Non, si tu attendais. Il y avait une voiture qui passait dessus. Écoutez, deux ou trois voitures par jour, pas plus. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Carmignac, avant la guerre, il devait avoir 3 ou 5. 5 voitures. Voilà. De Carmignac à Carmignac, il y a toujours eu la route quand même. La route, quand même. Oui. Celle-ci a toujours existé. Oui, mais c'était des routes empierrées autrement. Celle-ci a toujours été goudronnée. Ah, toujours. Ah, oui. Mais celle qui allait de Carmignac aussi, ça a été goudronné. Mais celle qui allait de Carmignac pour aller vers Sainte-Flamme, c'était tous les cailloux. Tous les cailloux. Ah, oui. Et chaque, surtout les cultivateurs, ils avaient, c'était suivant, je ne sais pas si c'était de la grandeur de la ferme,
Mais ils avaient des journées de travail oui, à faire pour casser des cailloux. Corvée, quoi. Ouais. Moi, j'ai encore la masse chez moi que mon père avait pour casser des cailloux. Avec un manche flexible. Hein. Quoi, c'était oui. Trois jours. C'était trois jours qu'il fallait donner chaque année pour l'entretien des routes. Oui, et c'était suivant la superficie de la ferme. Et il fallait qu'ils fournissent encore le cheval et la charrette pour transporter. Oui. Et ça a disparu après la guerre, ça aussi. Ben, oui. C'est resté en blocage. Après la guerre, c'est quoi ben, c'est-à-dire que. Oui, après la guerre, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça.